Anishta Ojaye-Brogbia, criminologue et chargée de cours en droit et justice criminelle à l'Université de Maurice, explique que l'une des raisons principales serait un déséquilibre de pouvoir au sein des relations personnelles, ce qui engendre des comportements violents. Aussi des démonstrations d'agressivité, des comportements agressifs comme des gestes menaçants ou des éclats de colère. Un autre signe qu'il y a peut-être lieu de prendre, qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le fait que quand on a une difficulté à fonctionner normalement au travail, à l'école ou dans d'autres activités sociales, en raison des tensions ou de la peur causée par le partenaire, vous devez déjà vous dire qu'il y a un gros problème. Identifier ces signes pourra aider à reconnaître les comportements problématiques avant qu'ils ne dégénèrent en violence ou en pire. Et il est important de chercher du soutien auprès de professionnels ou d'organisations spécialisées dans ce genre de cas. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une faible estime de soi est souvent un facteur pouvant mener à un comportement agressif plutôt que l'inverse. En fait, ce n'est pas le fait d'avoir confiance en soi, c'est avoir une faible estime de soi qui engendre des comportements agressifs pour compenser justement ce sentiment d'insuffisance ou de faiblesse. Aussi, dans certains cas, des troubles de la personnalité. Nous avons le trouble de personnalité narcissique ou antisociale. Nous avons aussi, bien sûr, les problèmes de santé mentale. Nous avons les addictions, l'abus d'alcool ou de drogue. Mais ce que nous trouvons assez commun, les personnes qui sont agressives, c'est un manque d'empathie, une incapacité à comprendre ou à se soucier des émotions ou du bien-être des autres. Pour Ranjit Joku, ancien inspecteur de police, endurcir les lois ou réintroduire la peine de mort ne résoudra pas le problème. Il estime qu'il est crucial de revoir la structure familiale et de changer la mentalité des Mauriciens pour prévenir ces drames humains. Dites-nous bien un peu la formation, comment la cellule familiale, comment elle fonctionnait. Nous couper de la réalité. Qui longtemps tient une rencontre dans une jeune dans une village, tient un club de jeunesse, que tient un débat, un sujet d'actualité. Mais tout ça là, il finit aujourd'hui. À mon la loi, il n'y a pas une solution. La loi, il est là, et un juge, un magistrat, je t'applique la loi en fonction de ce qui ben fait qu'ils présentent devant eux. Oui, mais la peine de mort, vraiment, la peine de mort dans un pays côté la peine de mort, criminalité, un changement de mindset. Selon le dernier rapport de Statistiques Mauritius, 60% des homicides intentionnels ont eu lieu dans des foyers privés.